Aloha, j'espère que vous allez bien. Je pète la forme. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer la box beauté Look Fantastic Beauty Box du mois de décembre, toute de rouge vêtue, n'est-ce pas? Vous savez que j'ai acheté cette chemise exprès pour être raccord parce que j'avais pas beaucoup de fringues rouges. Mais je la trouve assez fun, un peu wild. Franchement, on la reçoit relativement tôt ce mois-ci. Si vous ne connaissez pas cette box anglaise, elle contient 6 produits mini. Faut se le dire, au prix de 20€ par mois sans engagement et la livraison ne sera pas incluse. Mais après vous avez d'autres types d'abonnements, 18-17€, moi je la paye 15,50€ sur 12 mois et la livraison est incluse et on est livré par colis privé. J'ai pas vraiment un lien de parrainage pour cette box beauté, c'est plutôt pour le site Look Fantastic. Je vous mets le code juste ici à l'écran si ça vous intéresse. Sans plus attendre, et si on t'unboxait, jolie box rouge? Désolée pour ma voix, je crois que je commence à tomber malade parce que chérie est malade depuis une semaine. Je vous l'ai pas dit pendant les vlogmas, je vous le dis maintenant. Déjà, elle est toute légère. Comme d'hab, dans le couvercle, on a une petite citation qui va bien, une petite phrase Look Fantastic. Sparkle this festive season and have a very merry Christmas with love from Team Beauty Box. Mettez des paillettes dans cette saison festive et on vous souhaite un très joyeux Noël. J'aime bien ce rouge. De toute façon, rouge, orange, c'est mes couleurs préférées. Petit clin d'œil à Carole. On a pour une fois le livret qui est en anglais, mais je me ferai un plaisir de faire Nelson Montfort. Et les produits, alors elle a pris cher la box là. Elle, pourquoi c'est ouvert? J'aime pas trop ça. Voilà les produits. Alors, je suis pas super emballée là. C'est une blague. On va faire l'unboxing comme si je n'avais rien vu. Et je préfère ne rien voir là. Mon Dieu! Je vais pas m'embêter, je vais aller sur le site Look Fantastic et vous lire l'édito en français. Gain de temps. Et parfois, j'ai réfléchi, oui, je sais. La saison des fêtes arrive à grands pas. Et quelle meilleure façon de la commencer avec la Beauty Box, un moment de magie. Donc ça serait le nom de la box version française. Contenant 6 produits d'une valeur de plus de 72€, des soins nettoyants aux masques en passant à des blushs et highlighters, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vos grandes occasions à venir ou tout simplement pour un moment de self-love après une longue journée. Donc la box en anglais sur le livret s'appelle This the season to be beautiful. C'est la saison d'être belle. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de saison pour être belle. Premier produit que je vais donc attraper, c'est ça. C'est un masque pour les yeux, pour dormir le soir. C'est d'une bonne qualité, c'est de la marque Glove. Satin Sleeping Mask. Donc, c'est à mettre comme ça pour dormir. C'est une jolie couleur champagne dorée, ça m'a l'air de qualité. L'élastique est assez souple. Ça ne me transcende absolument pas. Je comprends pas pourquoi on a cet accessoire dans une box de Noël. Alors oui, c'est très joli. C'est fabriqué en Pologne, si ça vous intéresse. Il y a les prix sur le site, donc je vais aller voir ça. Ce masque pour les yeux est d'une valeur de 15,45€. Ok. Parce que j'ai vraiment besoin d'aller piocher dans le livret pour vous expliquer ce masque. On nous explique comment mettre un masque. Je pense que ça va aller. Je suis quasi sûr. C'est l'accessoire Look Fantastic du mois, mais apparemment, de ce que je vois, on a un deuxième accessoire. Je suis pas très contente. Mais c'est pas grave. Allez, Laura, ressaisis-toi, ça va bien se passer. J'arrête pas de couper la vidéo à cause de ces bruits de travaux, je suis désolée. Je vais continuer, je sais même plus où j'en étais. Je vais prendre, du coup, le deuxième accessoire. Donc c'est un rasoir pour le visage de la marque Hollywood. Je vous mets à l'écran le rasoir de plus près, ça vous aide à épiler du coup votre duvet, si vous en avez, ainsi que définir vos sourcils. C'est vraiment l'accessoire que je ne vais absolument pas utiliser. Ça ne me convient pas, c'est assez spécial quand même comme produit. Je vois pas ce qu'il fait dans une box de Noël, on va dire. C'est vrai que là je suis un petit peu remontée. On paye quand même 20 à 15,50€ par mois, c'est pas pour retrouver ça quoi. Enfin, désolée, je suis pas en colère, mais un peu déçue, quoi, on va dire. Je vous l'ai mis à l'écran, hein, le prix, mais je vous le redis, c'est 10,45€. Mais dans le livret, il n'y est pas. On devait avoir
un pinceau de la marque Luxie, un pinceau highlighter. Franchement, j'aurais préféré ça que ça. Eh bien, écoutez, next. Hein. Allez, prochain produit que je vais attraper, c'est de la marque Star Skin, qui est une marque coréenne spécialisée dans le skincare. Et ici, on a, donc ici, on a des masques pour les yeux en or, ou plus précisément, masques yeux feuilles d'or, revitalisant de luxe. Super. Donc à laisser agir 10 à 15 minutes. Ça, ça me plaît beaucoup. Hein. Vous savez que j'aime bien faire attention à mon contour des yeux. Et Star Skin, j'ai jamais été déçue avec cette marque. Donc cool. Ces masques pour les yeux sont d'une valeur de 6,95€. Il y a des extraits de météorites. Non mais je vous assure. Hein. Donc ça donne de l'éclat, de la fermeté, de l'élasticité sur votre contour des yeux si délicat. Il contient 83% de rose de Jericho. Je ne connais pas, j'essaierai de vous mettre à l'écran cette rose de Jericho. Donc cette rose de Jericho aurait des propriétés revitalisantes. Bah, je suis très contente de ce produit et là pour le coup ça rentre un petit peu dans le thème Noël. Hein. C'est doré, non c'est cool, petit produit skincare, je valide. Allez, prochain produit, c'est un doublon, quadruplon, je ne sais pas, mais c'est une très bonne marque. C'est de la marque Elemis. C'est un nettoyant énergisant pour la peau, anti-âge au collagène de 30 ml. Celui-ci, je crois que je l'ai reçu dans un calendrier de l'Avent. Ce produit-là, il sera dans le prochain concours. Donc n'hésitez pas à me suivre dans mes Vlogmas, parce que j'organise beaucoup de concours durant les Vlogmas. Donc il est au prix de 14,45€ les 30 ml. Il contient des minéraux tels que le magnésium, le zinc ou le cuivre. Et j'ai oublié de vous dire qu'il est à base d'algues marines. C'est un bon nettoyant qui élimine la saleté. Pour un nettoyage en profondeur, il élimine également le maquillage, les résidus de maquillage et vous protège des agressions extérieures. Votre peau est rééquilibrée et revigorée. Après, on nous dit comment utiliser un nettoyant visage. Je pense que ça va aller. Je vous ferai une démo pendant les Vlogmas si vous voulez. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous mettre du skincare parce que j'ai beaucoup plus de make-up dans les concours que du skincare. Donc dès que je peux vous glisser des produits, je suis la plus heureuse. Et vous m'en direz des nouvelles. A priori, il nous resterait deux produits make-up. Je vais prendre celui-ci de la marque Lottie London. Ça m'a l'air d'être un blush, un très joli blush, assez soutenu. Attention aux peaux claires. La teinte, c'est Haze. Le contenant fait 2,5 grammes et le prix de ce blush est de 6,95€. Je suis pas sûre que ça soit un full size, mais c'est très bien pour tester, vous me direz. La teinte est vraiment très jolie. Ah, il y a comme une espèce de dégradé. Je sais pas si vous verrez. Oh, c'est joli. On a presque pas envie de mettre ses pinceaux dedans, mais je vais mettre mes pinceaux dedans. On voit un petit peu mon blush, mais je vais... J'ai ressemblé à un clown juste pour vous. Je me suis munie d'un pinceau et d'une palette. D'ailleurs, c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour les yeux. C'est la Cinnamon Bay de chez Too Faced. Voilà, information peut-être inutile pour vous. Voyons ce que t'as dans le ventre. Ça m'a l'air bien pigmenté. Après, je vous dirais que le packaging fait très très cheap, mais si le produit vaut le coup, on s'en fiche un peu. Ouh! Oh, j'aime beaucoup. Ah ouais, super joli. Là, je mets du blush par-dessus un blush. Ah ouais, super joli. Faut y aller avec parcimonie. Mais vous voyez, il est bien là. Il est lumineux, mais pas trop. Là, c'est l'highlighter Corazona hein, que j'ai mis aujourd'hui. Bon, je fais un peu clown là, mais c'est pas grave. Au moins, vous voyez que c'est pigmenté. Franchement, non, j'aime bien. Bon, vous savez que moi, j'aime beaucoup les blushs. Hein. Ayez la main légère sur ce blush. Sinon, clown, bonjour. Il y a du talc et de la mica. Je ne sais pas ce que c'est, mica. Donc, il aurait une super tenue tout au long de la journée. Bah, c'est ce qu'on verra ce soir lors du Vlogmas, hein, si c'est toujours là. Grosso merdo, il est modulable, pigmenté ce qu'il faut. Parfait à emporter partout où vous allez. Pour une petite retouche bien sympathique qui pop vos joues. Très contente de ce petit blush. Bienvenue à la maison, toi. Dernier produit, c'est de la marque Anchor London. Très très bonne marque. J'ai essentiellement des eyeliners et des mascaras. Et ici, on a un crayon pas rétractable. Spotlight Highlighter Pencil, crayon surligneur. La teinte, c'est Pearl. Le contenant fait 1,41 g précisément. Et la valeur de ce produit est de 18€. Visiblement, ça serait un full size. Je vous montre. Si c'est un crayon highlighter, c'est un peu... Ça va pas être simple à travailler. Peut-être que c'est à mettre sous l'arcade sourcilière. C'est une idée. C'est crémeux.
C'est relativement pigmenté, il faut un peu frotter quand même. C'est très nacré, ça reflète pas trop mal la lumière, c'est joli. C'est un peu lunaire pour moi. Maintenant que j'ai fait un swatch, je vais l'utiliser, mais je pense que je l'utiliserai comme point de lumière sur les yeux. On va essayer. Ouais, ça marche bien sur les yeux. Mais je l'utiliserai plutôt comme point de lumière qu'en guise d'highlighter ici, quoi. Il y a de l'huile de jojoba et de la cire synthétique d'abeille. Donc c'est un highlighter, mais pour les yeux, à mettre en coin interne. Donc pas ici. Ça me rassure. Et il aurait une tenue de 8 heures. C'est pas trop mal. Donc finalement, je valide ce super produit, parce que bah, les points de lumière, vous savez que c'est ce que je mets systématiquement dans mes make-up. Donc, trop cool. L'unboxing est terminé, on va pouvoir passer à la petite conclusion qui va bien. Avant de passer à la notation de la box et un petit récap, on va passer au sneak peek du mois de janvier 2022. Ça fait trop bizarre de dire ça. Oh non. Bon, bah ça sera un produit pour vous, hein. C'est un produit de la marque This Weeks, qui est une super marque, attention, sauf que leur signature olfactive, c'est la lavande. Et je déteste la lavande. Donc c'est vraiment un titre perso, mais c'est super de recevoir ce produit. Donc il s'agit du Deep Sleep Pillow Spray. Mais on l'a déjà reçu, ce produit, et il me semble qu'on l'a déjà reçu chez Look Fantastic. Ah non, c'est nul si ça serait un doublon. Donc en fait, c'est un spray d'oreiller pour vous aider à vous endormir plus facilement, sereinement, on va dire. En janvier, vous aurez un petit produit dans un prochain concours. Dans le livret, j'avais pas vu, mais on a un article, bon c'est en anglais, hein, mais sur les extraits de météorites. Bah franchement, je vais le lire, je vous ferai un débrief dessus, parce que c'est atypique, ça me plaît. Je vous ai mis les produits là-bas, tout là-bas. Je suis très très mitigée avec cette box. Je trouve qu'elle fait pas vraiment Noël. On a deux accessoires un peu moyens quand même. Je veux dire, un masque pour les yeux pour dormir et un rasoir pour le visage. C'est pas ce qu'on attend d'une box beauté de Noël en plus. Et les miss, on nous le met à toutes les sauces. On a deux produits make-up, c'est vrai. De jolies marques, Aiko et Lottie London. Après, il faut aimer le make-up. Vous qui me regardez, mes vainées, il y a vraiment deux teams. Team make-up et team skincare. Patch pour les yeux, bah, je suis assez contente. J'ai un goût amer dans la bouche avec cette box. Je m'attendais pas à ça. Alors bon, dans la vie, je suis quelqu'un, je m'attends à rien, comme ça je serais pas déçue. C'est pour ça que je me spoil pas. Mais c'est la première fois où je suis... Ouais. Non, je suis déçue. Je crois que je mettrai la note de 5 sur 10. Hein. C'est pour vous dire. Et les miss, je vous mets de côté. Le rasoir, je sais pas si je vous le mets dans un concours. C'est quand même un peu trop what the fuck. Hein. Peut-être le mettre sur Vinted, je sais pas. Le masque pour les yeux pour dormir. On en avait déjà reçu un d'ailleurs chez Gloria au mois de janvier ou février. Janvier, je crois. Après, niveau make-up, c'est joli, c'est sympa. On n'a pas de rouge à lèvres rouge ou de mascara ou d'eyeliner comme à chaque fois. Donc ça change, c'est bien. 5 sur 10. Sniff. Dites-moi si vous êtes abonné à la Look Fantastic, ce que vous pensez de cette box, si vous avez le même ressenti que moi, un peu bof bof, un peu sniff quoi. Et dites-moi quelle note vous donneriez à cette box beauté en ce mois de décembre. Cet unboxing est maintenant terminé, je suis désolée pour plusieurs raisons. Le bruit des travaux, bienvenue dans mon monde, voilà. Je suis navrée si ça vous a handicapé tout au long de la vidéo, veuillez m'en excuser. Et désolée si tout au long de la vidéo j'étais un petit peu déçue par cette box, mais je suis entière, je suis honnête et je vais pas cacher ma déception. Hein. Je vais pas faire style que oh, c'est génial et tout, alors que ça ne l'est pas. Si ce contenu, malgré tout, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait très très plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que ça m'aiderait beaucoup. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à ce soir dans mon Vlogmas numéro 6. Je vous fais tout plein de gros 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 bisous. Et sur ce, prenez grand soin de vous. À ce soir.